Salut les amis, dans cette vidéo on va découvrir le nouveau multi-effet de zoom pour instruments acoustiques. J'ai nommé le A1X Four. J'ai toujours cherché pour l'enregistrement de mes vidéos à avoir un son simple à régler pour ne pas perdre de temps. J'ai utilisé différents systèmes un petit peu galères et lorsque j'ai vu que Zoom allait sortir ce multi-effet, je les ai tout de suite contactés pour faire quelque chose avec eux et ils m'ont gentiment envoyé ce multi-effet que je vais vous présenter dans cette vidéo. On va commencer bien sûr par les caractéristiques techniques parce qu'il faut bien y passer. Et ensuite, on passera par un test pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de cette machine. Et on passera avec l'éditeur. Il y a un éditeur qui marche sur Windows et sur OS X pour pouvoir éditer les presets. Et on va voir qu'on va pouvoir bidouiller tout ça, tester tout ça pour vraiment entendre ce qu'il y a dans cette machine. Et ensuite, je vous donnerai mon avis pour vous dire pourquoi j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas sur cette machine. Et bien, c'est parti, les caractéristiques techniques. Ce multi-effet a plus de 90 effets intégrés. Alors, dans la version avec la pédale de volume, on a plus de 90 effets. Et dans la version la 1 fort, on a plus de 80 effets. La différence étant les effets au niveau de la pédale de volume. On peut avoir 5 effets qu'on va pouvoir mettre en même temps, simultanément, pour pouvoir créer son propre son. Et on va avoir 50 mémoires pour pouvoir stocker tout ça. La mémoire, on en reparlera au moment de l'éditeur. On va avoir une fonction looper. Alors, une fonction looper assez simple, mais qui fait ce qu'on lui demande. On a 30 secondes d'enregistrement, ce qui suffit largement pour utiliser correctement un looper. Et on a la possibilité de mettre les effets en pré ou en post, c'est-à-dire avant l'enregistrement ou après l'enregistrement. Pareil, on en reparlera au moment de l'éditeur. On a une boîte à rythme avec une soixantaine de motifs rythmiques incorporés à la machine. Là, ça sert, mais c'est pas foufou. Voilà, ça sera plutôt dans mes points négatifs qu'on verra à la fin de la vidéo. On a un peu tous les styles, jazz, rock, etc. pour permettre d'accompagner. Ça, c'est pareil, on en reparlera à la fin. On a un accordeur intégré avec déjà incorporé différents accordage pour guitare et bien sûr le chromatique pour tous les autres instruments. Côté alimentation, la 1 fort et la 1X fort marchent sur pile. Donc on a 4 piles qui se mettent dans le logement prévu à cet effet. Et le bouton on-off, il n'y en a pas, ce qui m'a fait perdre un petit peu de temps au début. Il faut juste brancher le jack. On peut aussi l'alimenter grâce au port micro USB. Donc au début, j'étais un petit peu déçu, mais après j'ai compris la logique. Simplement, voilà, moi j'ai 50 adaptateurs secteur chez moi, je ne sais plus lequel correspond auquel. Et c'est vrai que d'avoir simplement ce câble qu'on a quasiment tous à la maison, et ça permet de l'alimenter facilement, sinon on est sur pile. En termes de pile, ça consomme pas foufou. On va avoir plus d'une dizaine d'heures d'utilisation, donc ce qui est déjà pas mal avec les piles. Et après, on peut l'alimenter lorsqu'on veut faire plus. Pour les entrées, on va avoir une entrée input en gros jack, donc 6,35 mm mono standard pour connecter la guitare, le ukulélé et tout ça. On va avoir une entrée auxiliaire in stéréo en niveau line. Pour tout ce qui va être connexion XLR pour l'entrée, on va voir juste après, il y a un adaptateur qui est fourni. Donc ça, c'est plutôt bien. Et côté sortie, on va avoir une sortie, donc 6,35 aussi, gros jack stéréo standard, qui combine à la fois line et à la fois casque d'écoute. Pour ceux qui ont des casques de monitoring, on va avoir une prise en charge de l'impédance 32 ohms. Voilà, donc comme ça, ça peut vous permettre de savoir ce qui va passer là-dedans ou pas. Donc, par la même sortie, on a casque et on a line. On ne va pas pouvoir en même temps jouer au casque et sortir dessus. Mais voilà, ça c'est un choix qu'ils ont fait d'avoir une connectique plus simplifiée. Ça va satisfaire certains, pas d'autres. On a aussi le bloc d'alimentation 9 volts. Là, j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont mis, vu qu'on peut l'alimenter en USB. Mais voilà, ils l'ont mis parce que sinon, il y a des gens, je pense, qui préfèrent d'avoir cette alimentation plutôt qu'une alimentation USB. Pour tous ceux qui veulent utiliser ce multi-effet avec une entrée XLR, donc que ce soit un micro qu'on puisse mettre devant l'instrument ou directement incorporé à l'instrument, il est fourni un adaptateur, donc le MAA1. Donc c'est un ampli pour micro. On va pouvoir justement gérer le 48 volts pour les micros avec alimentation fantôme. On peut mettre deux piles à l'intérieur. Alors, petit point sympa de la part de Zoom, les piles de l'intégralité, c'est-à-dire du multi-effet plus le préampli, donc c'est-à-dire 6 piles, sont fournies avec le multi-effet. C'est assez rare pour le dire. Ensuite, on va avoir un petit bouton de gain et c'est tout. Et on va le brancher directement. Donc, ça va permettre de pouvoir adapter directement
les entrées XLR sur le multi-effet. Voilà, donc on a fait le tour de ce produit présentation. Maintenant, on va écouter un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On se retrouve pour le test audio. Donc, j'ai mis le casque pour pouvoir entendre ce qui se passait au niveau du multi-effet et surtout lorsqu'on va pouvoir tester le looper et la partie rythmique. Sinon, vu ma configuration d'enregistrement, je ne pourrais pas entendre ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai revêti mon joli casque. Alors, que dire là-dessus? On va avoir donc le logiciel, donc le Zoom Guitar Lab, qui va permettre de pouvoir utiliser le multi-effet de manière plus conviviale sans utiliser tous les boutons. On peut tout à fait utiliser les boutons, hein, ça marche, mais là on va voir que ça va être plus simple pour vous montrer. Première catégorie, les effets. On va avoir un descriptif de tous les effets disponibles sur la machine. Alors je fais une différence avec sur la machine parce qu'il va y avoir des effets en plus qui ne sont pas intégrés à la machine. Tout à l'heure je vous ai parlé de mémoire. Tout en bas on va voir, il y a marqué mémoire utilisateur 96%. Premier petit défaut que je trouve à ce zoom, c'est que la mémoire arrive d'origine pleine. On va devoir vider pour pouvoir réincorporer d'autres trucs. Petit truc dommage, mais bon, c'est pas grave, il suffit de virer les presets dont on n'a pas besoin pour pouvoir mettre ceux dont on a besoin. Donc par exemple, en dynamique, ce compresseur par exemple, si je veux le charger, bah, je vais juste cliquer ici pour pouvoir le charger et je l'aurai ensuite directement dans ma machine disponible. Voilà, ça y est, il est disponible, il est ici. Et en double-cliquant dessus, je vais pouvoir avoir directement accès à l'explication des différents réglages qu'on peut avoir sur cet effet. Donc c'est plutôt pas mal lorsqu'on n'est pas sûr de comment fonctionne un effet, on peut avoir un explicatif. On va avoir aussi un petit power. Donc power, ça va expliquer simplement la ressource processeur dont le zoom a besoin pour cet effet. Pour le compresseur que je viens de mettre, on est sur 13%. Donc bien sûr, si on met que des effets qui demandent beaucoup de puissance, il y a un moment, il va rentrer à saturation. On verra qu'au niveau de l'éditeur, on a une petite indication du pourcentage de CPU déjà, du processeur déjà utilisé. Donc ça va permettre de pouvoir corriger tout ça. On va avoir aussi une petite rubrique Use qui va permettre de voir les effets que vous utilisez le plus et ceux qu'on utilise le moins. Donc ça va permettre de pouvoir virer par exemple un effet qu'on n'utilise pas du tout et qui est dans la machine, donc qui va prendre de la ressource. Maintenant on va aller au niveau du patch. Donc au niveau du patch, on va avoir, c'est plutôt une classification qu'on peut avoir de chaque effet et on va pouvoir les renommer pour avoir des noms spécifiques directement sur le zoom. Ça peut être utile à partir du moment où on fait des presets personnels, de pouvoir dire que c'est pour telle guitare, pour tel instrument, etc. Ça sera beaucoup plus facile de se repérer plutôt qu'avec des numéros de patch. Et un petit descriptif qu'on a sur le côté, double clic, on peut le changer. Ça, c'est la partie vraiment compréhension et organisation. Maintenant, la partie éditeur. Alors pour la partie éditeur, donc ce qui est bien, c'est qu'on va avoir directement accès à tous les réglages directement sans passer par les petits boutons ici, même si on peut le faire avec les petits boutons. Perso, au bout d'un moment, je me perds un petit peu pour savoir où j'en suis. Là, au moins, c'est tout très très lisible. Et l'avantage qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une interaction directe entre ce qu'on va faire ici et ce qu'on va pouvoir entendre. Donc exemple là, j'ai coupé volontairement la reverb pour pouvoir voir ce que ça donne sans reverb. Alors j'ai mis la reverb à fond, vous allez tout de suite entendre. Je la rajoute. Voilà, donc on va l'avoir à fond et en plus elle va rester vu que je l'ai mis vraiment total à fond. Donc l'idée, ça va être de pouvoir tester vraiment en réglant tous les petits blocs de multi-effet et de pouvoir voir comment ça réagit directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal qu'on ait une interaction directe pour pouvoir travailler sans son. On va avoir bien sûr la possibilité de sauver directement ensuite sur la machine grâce au bouton Save où on va envoyer directement le preset qu'on a modifié ici sur la machine. Il est sauvegardé et il fonctionne. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir régler son son. On a accès facilement à tous les types d'effets qui sont mis dans la machine. On va pouvoir vraiment faire tous les réglages qu'on veut. On va pouvoir aussi changer facilement d'effet pour pouvoir tester différentes possibilités. Donc c'est plutôt quelque chose qui est bien fait. On a une connexion à Internet aussi qui va pouvoir récupérer les différents nouveaux presets lorsqu'il y aura des évolutions de ce côté. Donc bon, on est sur quelque chose d'assez classique. Maintenant, l'idée, ça va être de pouvoir entendre la différence. Et pour ça, maintenant, je vais vous donner un petit tips, un petit moyen de pouvoir tester facilement le son, parce que c'est pas facile de pouvoir jouer et en même temps tester le son.
Et ben, on va utiliser pour ça la fonction looper. En mettant le looper sur position prêt, on va pouvoir enregistrer le son de son instrument avant les effets. Donc ça, elle va avoir comme possibilité de pouvoir changer ensuite le bloc d'effet et pour pouvoir réussir à entendre la différence sur le son. Donc ça va être vraiment top pour pouvoir tester et pour pouvoir réaliser son son. La grande difficulté lorsqu'on a un instrument acoustique, c'est qu'on entend bien l'instrument acoustique et le son, eh ben, c'est pas facile à régler. Là, grâce à ça, vous allez pouvoir jouer d'abord une petite boucle et ensuite pouvoir modifier le son pour pouvoir ensuite régler comme il faut. Et ben c'est ça qu'on va faire tout de suite. Donc j'ai mis mon looper en position prêt et j'y vais, je vais enregistrer quelque chose de très simple. Donc là j'ai un effet qui est déjà, qui est normalement fait pour saxophone. Et on entend bien que ça ne fonctionne pas. Alors on va pouvoir justement régler. Donc là j'utilise les presets hein, déjà mis. Voilà, donc si je me dis, tiens, j'aime bien ce son-là, mais j'aimerais faire quelques petits réglages différents. Donc je vais pouvoir le faire, par exemple, au niveau du type de modélisation de guitare qui est ici, pouvoir l'enlever, l'ajouter. On va pouvoir enlever la reverb, l'ajouter. Voilà. On va avoir ici voilà, des petits réglages qu'on va pouvoir mettre un peu plus de gain. Donc je ne dis pas que ce que je viens de faire, c'est exactement les réglages qu'on pouvait, mais on va avoir cette possibilité de pouvoir interagir directement avec le son et la machine et ainsi pouvoir, imaginons que ce réglage, c'est exactement celui que j'ai envie, et ben je le save et hop, c'est parti, j'ai mon réglage. Et si en plus je veux le renommer, je peux bien sûr le renommer test ukulélé. Voilà. Alors, il est cool parce qu'il n'y a pas assez de caractères. Hop. Pour l'afficher et directement sur mon instrument, je vais avoir ce preset qui va pouvoir se mettre et ça, c'est plutôt cool. Voilà, j'ai marqué test ou cool. Voilà, donc c'était pour vous montrer l'interaction qu'on pouvait avoir. Maintenant, je vais vous parler des qualités et des défauts du produit. J'ai fait partie des gens qui, il y a une vingtaine d'années, ont acheté un Zoom 505 pour mettre sur sa guitare électrique et ça avait un côté pas très cher. Bon, les sons, maintenant, quand on y pense, ils n'étaient pas ultra top. Mais ça permettait de pouvoir tester et de pouvoir se mettre dans une configuration assez originale, c'est-à-dire pouvoir avoir simplement tous les effets possibles. On est sur l'évolution de ce produit, je trouve. On est sur quelque chose qui va être bien sûr qualitativement bien supérieur en termes de qualité de son. On a des sons qui sont tout à fait corrects. Les réverbes, elles pourraient être mieux. Mais franchement, quand on prend le produit dans l'ensemble, j'ai envie de parler plutôt d'un couteau suisse pour instruments acoustiques. Et je vais l'expliquer tout de suite. En gros, on a tout dans cette machine. On a les effets qu'on a besoin, donc equalizer, etc. On peut même avoir, donc il y a des simulations qui vont permettre de se rapprocher de certains instruments des grands classiques du genre. Pour la guitare, donc grâce à l'IR, on va pouvoir simuler quelque chose qui ressemble. Après, je ne peux pas tester comparativement, mais au moins ça donne une couleur à chaque version. Et donc ça permet de pouvoir facilement trouver un son à son instrument. On a un looper incorporé qui fonctionne bien, qui n'a pas des options de dingue comme on peut avoir sur des loopers spécifiques, mais qui fonctionne. On a ce qu'il faut. Il fait ce qu'on lui demande. On a la possibilité ensuite de pouvoir... Donc là, je l'avais mis dans un mode spécial pour pouvoir faire le test. Si on le met dans l'autre mode, eh ben on va pouvoir enregistrer avec un son, puis avec un autre, puis avec un autre. Bon, il faut juste cliquer plusieurs fois pour retrouver l'autre son. Mais ça fonctionne. On peut faire ces tests-là et on peut le faire. On va avoir une boîte à rythme pour pouvoir travailler en rythme de manière plus sympa qu'avec un métronome. Juste pour revenir pour ce point, c'est bien de l'avoir mis dedans, mais je trouve que les sons sont quand même hyper cheap. Je vous en ferai écouter, donc sur la fin, vous allez avoir une petite démo de différentes possibilités. Vous allez voir que les sons sont un peu cheap. Je trouve que maintenant, on fait quand même des choses qui sont beaucoup mieux que ça, avec un petit peu plus de groove. Quand on voit ce que font certaines marques, on se dit que là-dessus, on est vraiment sur, pour moi, un point négatif, la batterie. Ça aurait pu être mieux. Ensuite, on va avoir toute la partie pédale de volume
pour pouvoir le volume, mais aussi la wah-wah et d'autres effets qui vont pouvoir justement régler ça de manière plus simple lorsqu'on joue en live et que si on a un son trop fort, on va pouvoir réduire un petit peu, on va pouvoir faire des effets. Et on a aussi la possibilité d'utiliser ça sur plein d'instruments. Et ça, c'est vraiment un côté couteau suisse. Donc, c'est vraiment assez intéressant pour tout ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le prix. On est sur un produit, donc pour la version avec la pédale de volume, on est dans les 170 euros et sans pédale de volume, on est dans les 130 euros. Donc on est sur un prix tout à fait correct pour tout ce que ça amène. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir utiliser de plein de manières, pouvoir tester, pouvoir essayer de changer son son, de le mémoriser, parce que c'est vrai que jusque-là, moi j'utilisais un multi-effet qui était direct. On avait un préamp, on avait l'équalisation, on avait un compresseur, une réverb. Et c'était si je changeais les raies de la chant, faire gaffe, et ben il n'y avait pas de preset et c'est ça qui m'embêtait. Ici on a des presets, une fois réglés pour l'instrument, plus de questions à se poser pour faire ces enregistrements, c'est quand même vachement pratique. Petit point négatif, j'aurais apprécié avoir une sortie XLR, mais ça c'est un peu plus personnel, ça évite d'utiliser une DI ensuite. Je vois vraiment ce produit comme quelque chose où on va éliminer tout le reste et qui va permettre de faire pas mal de choses. Et la petite DI en plus, et ben c'est bien dommage, donc ça aurait été sympa d'avoir ça. Autre possibilité aussi, une sortie casque aussi différente, peut-être pas obligatoirement en 6,35, mais une sortie casque qui permettrait de pouvoir vérifier son son directement par rapport à la sono, ça aurait été pas mal plutôt que d'éviter de connecter et déconnecter. Je continue dans le négatif comme ça, tout est fait, et bien un petit bouton on-off, ça aurait été pas mal. J'avoue que j'ai bien passé un quart d'heure, 20 minutes à comprendre qu'il fallait juste la brancher pour la mettre en route. C'est la première fois que j'avais quelque chose dans ce sens comme ça. Et dans le mode d'emploi, j'ai pas trouvé ça très clair qu'il fallait juste le brancher. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah faut peut-être faire ça. Et c'était exactement ça. Donc au début, j'ai cru qu'elle ne marchait pas. Et non, c'était juste qu'il fallait brancher le jack. Et donc dans l'autre sens, une fois j'ai oublié de débrancher le jack, et bah les piles, il n'y en avait plus. Donc voilà, ça c'est les petits défauts, mais vraiment, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que ça peut amener. Les effets, est-ce qu'ils sont tous à niveau? Pour ce prix-là, je vous dirais largement, largement. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser correctement en studio ou sur scène. Après, est-ce que ça vaut du même matériel qui va valoir 10 fois plus cher? Je vous dirais non. Mais au moins, ça permet d'avoir quelque chose de simple, de pas trop gros, qui a l'air relativement solide. Alors au début, moi, sur les images, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui faisait plus plastique cheap. Et au final, non, je suis assez content du rendu. On a un aspect mat qui est plutôt agréable. Est-ce que c'est vraiment solide sur scène et à trimballer? J'en sais rien parce que je ne l'ai jamais trimballé en dehors du studio. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant, qu'il va falloir creuser de votre côté. Si vous vous êtes toujours dit, tiens, un petit multi-effet pour acoustique, qu'est-ce que je pourrais prendre? Et ben voilà, c'est quelque chose de bien sympa pour ça. On a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire, des petites réactions, des questions. Je vous ferai un plaisir de répondre si j'ai oublié de vous dire quelque chose dans cette vidéo. Maintenant, une petite démo pour vous montrer avec un ukulélé ou une guitare ce que ça peut rendre.